Merci, Butterfly. Passe une belle nuit. Merci. Mon LOL était mal timer, je riais pas de son message à buter. Je pense qu'on avait compris, c'est correct. Ben, écoute. Au moins, ça clarifie si jamais il y a de la confusion dans l'air ou quoi que ce soit, mais. C'est le fin. Je peux pas scorer. Et Wigloo with la glou. Hey! J'ai pas raconté ça. J'ai reçu de la belle famille aujourd'hui. Puis, ma belle-mère est arrivée avec des poissons rouges. Qu'est-ce que faire, vous me dites? Parce qu'on a un étang en arrière. La maison venait avec un poisson dans l'étang. Il est pas mal tout seul. Pas mal lonely, le poisson. Fait qu'elle est allée y acheter des amis. Capote. Poisson. Ah, ouf, au moins c'est épais à venu dans un bocal. Ouais. Ben, dans une petite chaudière en plastique. Là. Fait que là, il faudra que je vérifie si tous les poissons vivent en harmonie ou si le poisson qui était là a tué mes autres poissons. Un gamble. On va voir ça dans le long terme. Mais j'espère qu'ils vont bien s'entendre. Deux ouais. Pif paf. Alors, on va essayer de trouver le ruban. Y a rien à faire à part vérifier la qualité de l'eau et ajouter des plantes. Mais la qualité de l'eau se gère pas mal tout seul. Il y a des algues qui poussent allègrement, fait qu'on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Maintenant, j'aimerais voir le livret d'instructions, s'il vous plaît. Et comment ça fonctionne, ça? Ok, il nous montre comment faire un petit nœud. Un petit pète nœud. Truc. Vas-y. Et ça donne mieux. J'ai une pince, moi aussi. J'ai de pincer une main. De main. Pas assez réveillé pour faire ça, je pense. Peut-être. Ok. Je suis supposé passer ça là-dedans. Bravo.
Ok, ça a l'air d'être ça.